Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to, donc c'est un Road to Gold hein, pour le coup, le premier Road to Gold de cette série. Au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche, écoutez, il pleut, je me trimballe une petite gueule de bois, je me suis dit, est-ce que ça serait pas le moment opportun pour tenter de passer Gold? Écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Ouh, ben voilà, pour bien commencer, une jury. Nickel. Alors je vais essayer de... Comment dire, de moins rager. Oh, c'est un gold. The Wheel of Pain, ça me dit quelque chose. Je vais essayer de moins rager. Un peu plus me concentrer. Oh, le stun! Aïe aïe aïe. Ouh, dis donc. J'ai eu un petit peu chaud, quoi. Round 2. Bien vu. C'est très bien joué de sa part. J'ai voulu taper, mais en fait c'est une très mauvaise idée. Je tape dans les block strings, c'est bah, dans les frame trap. C'est très mauvais. Bien vu. Il s'est loupé. Et ouais, il m'a tué à la gratte à la super, c'était ce qu'il fallait faire en fait. Donc c'est très bien joué de sa part. Et je dis pas ça pour me forcer à ne pas rager. On le voit bien de toute façon, hein, quand quelqu'un sait ce qu'il fait. Et là du coup c'est pas une jury en fait, qui me fait rager quoi. J'ai quand même perdu, c'est un peu dommage. On voit pas les points perdus et les points gagnés. Dommage. Round 1. Fight. Bon, c'est le match de chauffe, on va dire.
Mais c'est vrai que j'ai des petites erreurs d'exé qui sont pas bien... pas très sympathiques, quoi. Aïe, 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 vraiment, bien joué à lui, quoi. Rien d'autre à dire, mais ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas, du coup, les points, là. Bon, du coup, je suis repassé Super Silver, c'est sûr, mais on va tâcher de rattraper ça. Ah, on voit les points, ça y est. Ah, ben voilà, un Ryu, de la barbe, exactement les bons Ryu comme on aime. Voilà, là, c'est parfait, hein. C'est exactement ce qu'il me fallait. Un Super Silver. Legacy of Snake. On l'a déjà joué contre lui. On l'a déjà joué contre lui, c'est sûr. C'était dans les vidéos. On a déjà joué contre lui dans les vidéos. Ou est-ce qu'on a joué contre lui hier avec Pat d'Ours? Je sais plus. Mais je suis sûr d'avoir joué contre lui. Pit by 4. Ah oui, je reconnais son style. Oh, le petit light qui est pas passé. C'est pas safe. La boule de feu corps à corps, c'est vraiment pas safe, hein. Un peu, baisser la barre de stun. Oh, mais en fait, bien joué à lui. C'est, j'ai rien fait de ce round. Je vais tâcher de pas perdre quand même parce que c'est un Ryu, j'étais content et tout. Voilà, histoire de remettre les pendules à l'heure. C'est mérité. Oh. Bon voilà. Quand même une petite victoire, ça fait quand même pas de mal de temps en temps. C'est très bon pour le moral. Ça m'aide à guérir de ma gueule de bois. Qu'on repasse Ultra Silver avec ça. Non, on est close. Ah, lui, il est descendu. Silver. Bah, écoute, désolé. Désolé, désolé. Round 1. Fight. Oh, ça lag, non, mec. Merde, merde, pas bon, pas bon. Ah.
Non ! Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Allez. Concentration extrême. Extrême. La technique de l'homme sous. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était quoi cette punition moisie? C'était pas safe cette balayette. Putain, cette punition moisie. Medium kick. Au lieu de faire un truc complètement pété qui m'aurait garanti la win. Moi. Un style de jeu bizarre quand même. Hein. Allez, c'est ça qu'on veut voir. Les réflexes. Nickel. Ah bah disons je suis pas... J'ai l'impression d'être... D'avoir fait des meilleurs matchs dans mes vidéos précédentes disons. Mais bon, ça a gagné là mais ça gagnera pas tout le temps. Je pourrais pas arnaquer tout le monde comme ça quoi. De toute façon on repasse Ultra Silver, lui et Silver, on peut plus retomber contre lui pour le moment. Anekali, bah voilà, pourquoi pas. Les persos de base du jeu. Un match-up sympa. Mazout. Mazout, on l'avait pas joué contre lui encore, hein, de toute façon. Mais les Nekali, ça va, j'aime bien. Bon, c'est très dangereux, Nekali, hein. Y a pas d'embrouille. Hein. Mais c'est le match-up sympa. Que moi, j'aime bien. Bien sûr. Non, je veux pas perdre. Le crush counter. Il a failli revenir, hein, complètement. Hein. Oh, il faut arrêter avec ça. Ça lag, mec. Non. Merde. Oh, putain, c'est moi qui me fais avoir, quoi. Je suis dégoûté. Merde. Non, mais je suis pas dans mon assiette, chef. J'ai fait n'importe quoi. Franchement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai même pas cramé une barre d'ex, quoi. Allez. Et allez, ça termine. Non, ça termine peut-être pas.
Le petit counter hit qui va bien. Oui, parce que normalement, après super comme ça, je peux faire dash dash medium punch. Ça me permet de faire un mitty. Et du coup, si tente quelque chose, ça fait counter hit. Si je le time bien. Si je me, voilà, si je me foire dans le timing, c'est moi qui vais manger. Mais d'une manière générale, c'est assez fiable hein, quand même. On l'a fait descendre de ligue. J'avais pas vu qu'il avait les mêmes points que nous. Allez, pour la mazout. KO. Moi, merde, non, pitié. Et il dragonne beaucoup, hein, ce salaud. Ah, évidemment. J'ai fait trop d'erreurs. En plus, je vais perdre plus de points parce qu'on l'a fait tomber de rang. Aïe, 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 aïe. Il dragonne énormément. Hein. Faut que je le laisse piffer et que je le punisse derrière. Au lieu de tenter des petits mix-up. Ça va pas être trop rentable, en fait, contre lui. Ouais. On va le laisser faire ses dragons EX. En plus, il cramera ses dards. Oh. Oh, ma punition, quoi, j'ai mal puni. C'était un dragon, ça. Mais non, c'est pas une balayette que je veux faire, en fait, hein, quand je fais ça. Pas une balayette que je veux faire un bas medium punch spiral arrow, je vais trop vite dans ma manip, ça fait balayette, c'est n'importe quoi. Et je perds ce round, je suis à un round de perdre mes points là, ça va pas. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Non! N'importe quoi. Bon, j'ai rattrapé mon round. Il faut vraiment pas que je me relâche. J'ai pas envie de perdre là, mes points et de repasser Super Silver. Ça deviendrait un peu lourd. Mec, sors de ma tête. Oh non, je voulais faire la super en prévision de ça. Non, j'attendais qu'il me fasse ça pour faire super. Et avec mes réflexes de grand-mère. Oh là là, j'ai perdu. Oh là là, quelle tristesse. Quelle tristesse. On va voir combien de points je perds. On se retrouve pour le match suivant. Alors, il y a un truc que j'ai pas précisé aussi.
c'est que, bon là, c'est la première vidéo sur le Road to Gold, donc en fait, je fais mes matchs petit à petit, je vous les présente tous petit à petit, mais ce que je vais faire, c'est que dans les vidéos suivantes, il n'y aura pas d'intro, puisqu'en fait, moi, je vais enchaîner en fait plein de matchs, et après, moi, pendant le montage, je vois quand ça fait la bonne... Foot77, quand ça fait la bonne, comment dire, la bonne durée pour ma vidéo, et après, du coup, sur les prochaines vidéos, bah, je prends les mêmes matchs que je... Enfin, la suite logique, mais il n'y aura pas d'intro forcément, ni d'outro pour le coup. Round one. Pu faire un parfait, c'est dommage. Il a pas l'air d'avoir trop l'habitude d'affronter Camille. C'est très bien pour nous. Non, Warida, fais pas ça. Bien vu ça. Oh non! Que fais-je? Merde! Non! Heureusement qu'il me l'offre. Hein. Oh, salaud. J'ai eu un peu peur. J'ai complètement raté ce que je voulais faire là. En fait, j'ai fait la super avec gros pied. Et en fait, il faut savoir que la super, quand on fait avec petit pied, moyen pied ou gros pied, la distance où ça touche n'est pas la même. Si je fais gros pied, ça va aller plus loin vers l'écran. C'est pour ça que quand je suis à l'autre bout de l'écran, que les gens font boule, je fais super gros pied. Comme ça, ben voilà, ça les punit. En revanche, quand je suis corps à corps, il vaut mieux faire petit pied. En termes de dégâts, c'est la même chose. Mais voilà, c'est la distance où ça touche qui diffère, quoi, disons. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé d'abandonner. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait, non? Alors là, je saurais pas vous expliquer ce qu'il fait. Peut-être qu'il estime qu'il est trop fort pour moi et qu'il faut qu'il se fasse taper avant. Mais dans ce cas, il aurait fallu quand même qu'il gagne le match d'avant. Et là, je fais le petit pied. Je comprends pas ce qu'il fait, hein. C'est un peu bizarre. Hein. Là, pareil, c'est le Negative Edge qui a fait que j'ai pas fait Spiral Arrow. Ça, c'est des trucs qu'il faut... Faudrait que je change des choses dans mon exé, mais c'est pas facile quand on a des mauvaises habitudes de les perdre. Mais en tout cas, pour en revenir sur ce joueur, j'ai aucune idée de ce qui lui est passé par la tête. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi un coup il joue, un coup il joue pas? Allez, un petit birdie. Quand je dis petit, ça serait plutôt un gros birdie. Encore une fois, c'est un match-up que j'aime bien, à condition qu'il fasse pas trop les coups où il m'attrape avec sa chaîne, là. Qu'il saute super haut et il m'attrape avec sa chaîne. Ce coup-là, j'ai jamais de réflexe de ou dragonner ou alors faire un saut. Round 1. Fight.
ce coup-là, par exemple, je crois que s'il avait mis à bonne distance, en fait, je me le serais mangé, quoi qu'il arrive. Aïe, très mauvaise idée, Oareda. Non! J'aurais pu mettre super là-dedans. J'aurais pu mettre super en fait. Et je sais pas. Je l'ai pas sorti, mais bon. C'est pas grave. Ça gagne, mais encore une fois, je suis pas super satisfait, en fait, hein, pour l'instant. En fait, j'ai des plans de jeu dans ma tête, et dans mes doigts, si vous voulez, il y a une espèce de bug entre-temps. Ah, il y avait plus de points que nous, j'avais pas vu ça. Vous voyez qu'on gagne moins de points, hein. Je joue contre un mec qui a le même rang, et je gagne que 68 points. Alors qu'avant, ça nous est arrivé, ouais, de jouer contre meilleur, on gagnait 90 points, c'était pas mal. Spirale à roue là-dedans. Voilà, c'est ce coup-là, je me le mangerai toute la vie. Ah, là, c'est bien joué, ouais. En plus, ce truc-là, des fois, quand il est mal timé, son coup de tête whiff, et du coup, il est punissable. C'est pas évident, hein. Les joueurs de birdie savent. Aïe 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 aïe, c'est vrai, pour moi j'avais gagné le premier round, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Bon, GG à lui. On va tenter de reprendre les points. Hein. Bon, même si on repère, on repasse pas Super Silver, ce qui est assez une bonne nouvelle. Mais bon, franchement j'aimerais bien gagner là, qu'on avance un peu vers le rang gold, ça serait sympa. Non. Ah, c'est très chiant. Ah, c'est très chiant. Hop, on va attendre que la barre de stun retombe un peu. Voilà. Aïe aïe aïe, mon canon strike raté. Parce qu'il a son entière lui, hein, il s'en sert. Hein. Il a raison.
Oula, erreur. Yes! Enfin ça quoi. C'était chaud hein. Tous les matchs sont chauds. Il y a une utilisation des lights qui a l'air assez bonne quand même. Non, pas ce coup, pas ce coup, pitié. Aïe, 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 ça va être dur. Et ouais, il a eu une utilisation des lights, et en fait, le fait qu'il recule et qu'il m'attaque pas, il avait tellement d'avance en fait à la vie que c'était exactement ce qu'il fallait faire, surtout qu'il restait à peine 30 secondes pour le round. Franchement, c'est pas lui qui doit prendre des risques si le danger est de mon côté, vous voyez. C'est pour ça que j'ai fait dash et que je suis allé vers lui. Et son utilisation des lights était vraiment très bonne. Franchement, GG à lui quoi. Vraiment GG. Oh, une Chun-Li. Aïe aïe aïe. Une Chun-Li. On en a rencontré qu'une, je crois, au cours de cette série de vidéos. Théo High Kick. Et c'était pas lui. Hein. Je me rappelle, c'était un mec qui avait pris le niveau de l'eau quand il jouait Player 1. Je vous avais expliqué le petit. La petite astuce. Round 1. Fight. Ça lag, mec. Ok, le lag a l'air de s'être calmé, mais quand même c'est pas cool, hein. C'est pas agréable. Hein. Oh, j'ai loupé ce que je voulais faire. Je voulais faire super, gros point super, j'ai fait gros point balayette. Vous voyez que j'ai un problème, faudrait que je remplace ma deuxième main gauche pour voir en prendre une droite. En plus, il y a le Black Friday bientôt. Ouais, peut-être moyen que je trouve ça. On peut le faire tomber silver si on regagne ce match. Accessoirement, nous prendre de l'avance vers le chemin du gold. Round 1. Fight.
Allez, il l'a retardé quoi. Oui, alors faire le V-trigger en fait, quand il fait boule, je peux passer dessous, ça c'est génial. Ah, le même début quoi. Saute pas trop s'il te plaît. Ah, le salaud. Le salaud. Bon bah du coup on a pris des points, c'est pas mal. 3600 du coup. On doit, ouais, 3600 et quelques. Et on le fait tomber en plus silver, non super silver. Je sais plus, on va le voir tout de suite. Il redescend silver, voilà c'est ça.